chers internautes, voilà, Tokitana qui est un rendez-vous habituel le 16 mars 2018, toujours avec votre présentatrice Dorcy Angoya, au Missan toujours Kolanda, sur votre chaîne Selon J Mama Gracias, la charité Mama Gracias TV. Et voilà, Tokitana qui est sous l'élo, na Katredal, Yalingwala, pour que tu célébres Messie à Martyr, Nabiso, et à Messie Rossi Chimanga, de Messie Eric Oyatika qui est sous l'élo, na Mboka. Et voilà, nous sommes là précisément à 4 dans les Tobaki que non, mais na biso ekobanda 12h. Tokota na kasi totala toyoka prédication petoyoka ba mot d'honneur o ba prepara ki po na ba martyr na biso. To landa comme ça to kobima pour que to si ça la ben interview avec quelques personnes tokutane. Heureuse de
L'espérance ne trompe pas. Et comme l'avait souvent proclamé une victime, le peuple gagne toujours. Je confesse la vie de Christ, je reconnais les grands mères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, et priez pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne de nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Quand les insensés montrent ces stratégies pour jouir, ils vivent l'expérience.
jamais se réjouit quand on est devant la misère et enveloppe le visage du pauvre injustement abandonné. Comment se blaser face à l'indigence qui emprisonne le cœur de l'homme, politique ou social, aliéné par le bien du péché et du geste mal acquis? Comment se taire à côté de la manipulation avec des insensés qui torturent l'espoir de la jeunesse par des liens dédiés des membres? Comment garder sa quiétude dans un environnement qui ne vous présente que des spectacles, il est impossible d'être indifférent. Nous sommes revenus pour la troisième fois dans cette cathédrale pleurer et célébrer nos martyrs. Nous les pleurons parce qu'ils ne sont plus. Nous les célébrons parce qu'ils sont vivants à jamais dans l'histoire de ce pays. Ils ont provoqué une douleur atroce dans nos vies. Ils ont aussi consolé notre souffrance face à la recherche de la liberté. Les chrétiens sont tournés pour la troisième fois. Trois est un signe le plus sacré des chiffres. Par les trois marches, les chrétiens ont invoqué la Sainte Trinité, source de toute force pour consoler cet homme en esprit et corps. Comme suivi dans cet évangile, Jésus revient. Jésus vient de celui qui est prêt. Le Père a envoyé le Fils lui rendre témoignage, et à toi reprise, le Père lui-même a rendu témoignage à son Fils. Lors de son baptême, au bord du Jourdain, Matthieu chapitre 3, verset 17, sur le tabac, lors de la transfiguration, Matthieu chapitre 17, verset 5, et au temple, lors de la dernière Pâque, en présence des gentils venus pour faire la connaissance de Jésus, Jean chapitre 12, verset 20. Jésus, à son tour, demande trois fois l'unité des chrétiens dans son dernier discours aux apôtres. Je ne suis plus dans le monde, mais eux restent dans le monde, alors que moi je retourne vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, celui-là même que tu m'as donné, pour qu'il soit un comme nous. Jean chapitre 17, verset 11, verset 21, verset 22. À trois reprises, les chrétiens ont marché pour s'élever au niveau supérieur de le Christ a vaincu les trois tentations dans le désert. Luc chapitre 4, verset 2. Par ces trois marches dans cette vie, nous avons rendu un acte de trois années de ministère depuis notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont tombés trois fois, les chrétiens dans les trois marches pacifiques, à la manière du Christ qui tombe trois fois sur le chemin du calvaire. N'est-ce pas que les trois marches par les chrétiens, ayant chapelé les crucifix, symbolisent les trois jours durant lesquels Marie et Joseph sont partis chercher leur temple. Luc chapitre 2, verset 46. Notre marche pacifique sont des offrandes pour remettre le pouvoir à Dieu de nous, à Dieu de notre espérance, comme les trois mages qui offrent au Seigneur de l'or, de l'encens et de la mine. Matthieu chapitre 2, verset 11. En Jean chapitre 5, verset 8, nous révèle les trois démons terrestres qui sont l'esprit, l'eau, le sang. Nous vivons dans cet esprit des dieux. Nous avons été plongés dans les eaux du baptême et le sang des martyrs en semence l'Église. Finalement, ces trois marches ont renforcé en nous les trois vertus inégales, la foi, l'espérance et la charité, parce que celui qui nous appelle est foi, vérité et vie. C'est cette force mystérieuse qui se cache dans le cœur des chrétiens qui le tient debout. Il propose toujours une arme à l'apparence faible et qui bouscule les armes de guerre. C'est parce que nous offrons, nous n'offrons pas notre vie pour défendre un individu ou une idéologie. Le combat chrétien, c'est pour l'amour. L'amour qui est mal compris chez ceux qui sont dans l'obscurité, qui sont obscurcis par les conflits des jouissances. Le mal de notre temps et l'accumulation des richesses sans cesse sans règle éthique. Nous, chrétiens, devons poser la reconstruction des valeurs dans la justice, la vérité et l'amour. Nous aimons notre pays. Charles Baudelaire apprend depuis sa naissance que le pays est trop riche. Il paraît que c'est la cause de toutes les convoitises de toutes les nations sur le monde. Il y a des questions
que le principe zéro mort édité par la police nationale se vit en réalité dans notre pays. Que Dieu serre davantage l'attention dans chaque cœur des Congolais, comme remarqué chez nos frères dans la diaspora, nos frères de la diaspora, pour qui ont contribué pour les funérailles, qui ont contribué pour les funérailles de notre frère aussi, et les autres victimes coupées le 27 février dernier. Oui, ceux qui sont tombés ont à leur nom. Aujourd'hui, nous passons à Rossini Yeri. Parlant de Rossini, ces derniers, pour ceux qui sont capables de voir au-delà de la sortie et le sang qui vient remplir le gobelet contenant le sang de tous les martyrs tombés au cours de la justice et la liberté. Car, comme Étienne, qui pouvait voir les anges pendant son martyre, Rossini, par sa foi, nous a laissé tant de messages. Nous citons quelques-uns trouvés sur son mur, Facebook. Le 4 janvier 2016, à 15h03, il dit « Heureuse fête des martyrs de l'indépendance, et bientôt ce pays est là de nouveau martyr dans la lutte pour la survie de la démocratie en 2016. » Le 13 mai 2016, à 13h34, pour les générations futures, je propose la construction des mémorials de l'intolérance à Béni. Le 27 mai 2016 à 19h29, la rue n'est pas une tombe, c'est les cercueils. Congolais, j'ai fait le serment de liberté pour léguer à la génération future une nation viable et fiable. Ensemble, nous vaincrons, patience, la dictature tombera. Le 26 mai 2016 à 10h11, le destin d'un peuple se décide en un jour. Je ne veux pas être seulement homme de pensée, je veux aussi agir. Le 26 mai 2016 à 10h29, j'ai compris une chose. La patrie, c'est la terre des mes ancêtres. Qui viole la prostitue, crache sur la tombe des mes ancêtres. Le 27 mai 2016 à 10h59, le peuple gagne le jour. Et offrir à ce peuple la victoire de la langue.
maladie à l'université. Quel message vous lancez à l'issue de cette messe à laquelle vous venez de participer en mémoire de votre fils? Que Dieu s'occupe d'eux. Que Dieu s'occupe d'eux jusqu'à l'alternance. Pour moi, de mon fils. Le sang de mon fils crie vengeance. Comme le sang d'Abel avait crié aussi vengeance. Et Dieu seul s'occupera d'eux. Merci. Parce que biso autorité en boka biso tozo gérer mboka té na minute biso tozo ko subir makambo ezo sama na kati mboka oyo ngala kenya ko ta la famille a aussi na déplorer pe lisango wana tamba pe singa sango ke ba kunda e jeudi té parce que corps e ko bimaté et corps e ma jeudi té ke ba kunda e vendredi té et ça biso passi mais to ki bango ba pe si raison qu'il faut passer sous deuxième autopsie bon to tika bango na lilobo ba bimisi wana to ta la siko ba promettre pour la semaine prochaine to ko ma pe semaine prochaine ango soit comme semaine prochaine que corps e bimité wana ke makamusu. Mais le coup de balobi qu'il faut passer à la deuxième autopsie. Totiki bango basalango
semaine prochaine, tous les bango au monde à bango de balouba qui va au bimisan semaine prochaine. Sous tout le monde qui est bimité, on écoute ma camoussou, soit la seconde ou la seconde, on rectifie la tire na bisou. Mais la mute, tout le monde bénéfice de doute, n'est pas l'objet que et